vous invitons à prier. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers Pères Célestes, merci pour tes bienfaits. Merci pour cette occasion à nouveau d'être ensemble. Qu'ensemble, d'une seule voix, nous pouvons te louer et te glorifier. Ensemble, nous puissions chanter avec nos voix, mais aussi avec nos cœurs. Combien tu es grand et combien tu es un Père aimant. Tu continues à nous bénir. Le dimanche passé, tu as ouvert pour nous aussi une voie du ciel. Nous te disons merci pour cette nourriture. Et chers Pères Célestes, aussi merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Tu ne nous as jamais abandonnés. Un grand sacrifice donné par ton Fils. Et un enseignement continuel par ton esprit nous permet de rester sur cette voie ensemble avec notre apôtre patriarche. C'est pour ça que nous avons dans nos cœurs une reconnaissance profonde que nous déposons ici devant l'autel de ton Fils. Tu nous donnes cette occasion d'intercéder pour l'un et pour l'autre qui se trouve dans la souffrance et dans la peine. Tu vois toutes choses, cher Père Céleste. Tu écoutes le cri, même si c'est fait en silence. Porte secours à tout un chacun. Même à ceux qui ont oublié de prier. Que nous ne perdions pas un de tes enfants. Et que ceux que tu cherches puissent être accomplis. Nous voulons être des utiles en ta main. Donne consolation à ceux qui pleurent. Une courage spécial à ceux qui ont perdu des choses dans ces derniers temps. Et que notre foi ne fait que se renforcer. Je pense à ceux de l'au-delà qui se joignent à nous. Tu as fait que cette communion soit possible. Nous l'atteignons très cher. Permets que ce soit parfait. Et que l'atmosphère d'amour qui règne dans nos cœurs permet pour eux libre audition. Aide ceux qui se sont éloignés. Et continue à permettre une protection pour tous tes enfants. Donne paix pendant ces moments. S'il te plaît, bon Père Céleste, que ton esprit parle. Que tout vient de toi. Et dans cette unité avec l'apôtre patriarche, nous puissions entendre ta voix. Donne plus et mieux que nous puissions mettre en parole, nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés en Christ, chers frères, chers sœurs, nous sommes heureux de passer ces moments. Après une fête de Pentecôte dimanche passé, qu'en communion nous puissions revivre ces moments et à nouveau prendre la nourriture qui vient de notre Père Céleste. Un texte biblique nous est donné de 1 Jean, 5e chapitre, les versets 6 à 8. Malobe pesa meli biso na bokutanyo komami na mokanda ya Yohane ya Yambo na mokapo ya 5 na nzela ya motoba kino ya mwambe.
C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Toyebi Jésus-Christ mpona mai mpe makila na ye. Ezalaki kaka maite kasi mai na makila. Molimo nde moto azali koyebisa yango. Mpe toyebite molimo ayebisaka makambo ya solo. Boye ekomi lokola likambo batemwe misato balobi. Molimo mai mpe makila bango nyonso bazali koloba bobele ndenge moko. Jusqu'à la première place, la chorale peut interpréter une strophe. Kino bisika wana bozo bisika bofanda bongo bayimbya nzembo bakoko pesa biso loyembo. Christ, chers frères, chers sœurs. Chers invités qui se joignent à nous, soyez les bienvenus. À ces quelques moments que nous pouvons consacrer aux louanges de notre Père Céleste. À nouveau, nous pouvons être nourris par l'Esprit Saint. À nouveau, nous pouvons être fortifiés. Dimanche passé, notre apôtre patriarche nous a parlé de la femme cananéenne. Elle a demandé de l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Au début, il a refusé pour dire non, c'est seulement quelque chose prévu pour le peuple de Dieu défini à l'époque. Elle avait l'humilité pour dire oui, mais même les chiens qui mangent à la table, le Seigneur ont droit à quelque chose. En humilité, notre apôtre patriarche a dit que ce jour de Pentecôte, nous allons avoir quelques miettes. Qu'à travers ces miettes, nous puissions avoir une grande bénédiction. Chers frères et sœurs en Christ, nous ne voulons pas jeter ces miettes. Mais les ramasser précieusement. Les partager avec les autres. Et de cela viendrait pas une petite miette de bénédiction, une grande bénédiction. En humilité, notre Père Céleste nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Il a parlé de menu complet, oui. Parole, le pardon. La Sainte Cène, la communion avec les frères et sœurs. Et que pendant ces jours, nous avons un menu réduit. Oui, il nous manque principalement, bien sûr, la Sainte Cène. Cette communion fraternelle qu'on peut avoir ensemble dans la maison de Dieu. Nous n'avons pas le moyen de mettre non plus nos offrandes dans le tronc.
Mais malgré ça, à travers notre Père Céleste, il nous bénit. Et nous garderons ensemble jusqu'à ce qu'on puisse avoir le menu complet à nouveau. Aujourd'hui, nous fêtons ce que le monde chrétien appelle la fête de la Trinité. Ce n'est pas bon, dans l'année liturgique. Mais le dimanche après Pentecôte, nous fêtons cette Trinité. Et c'est de cela d'où est venu notre texte biblique tiré de Jean. Parfois un peu compliqué à comprendre, mais pourquoi Jean parle de cette manière de trois choses? De l'eau, de son et de l'esprit. C'est qu'après la mort et la résurrection de Christ, après son ascension, vite, il y avait ceux qui s'opposaient à cette idée. Que le Fils de Dieu s'est incarné en homme vrai, avec un corps charnel. Et il voulait dire que non, ça c'était une image, non, ça c'était des fables, c'était des histoires. Et Jean voulait adresser ce problème, et c'est pour cela qu'il a parlé de trois choses qui sont importantes. En premier lieu, l'eau, et cela montre vers notre Père Céleste. Mais le baptême que notre Seigneur Jésus a reçu, où notre Père Céleste lui-même était présent, nous pouvons le lire au début à Marc, et notre Père Céleste s'est exprimé lui-même. Tu es mon fils bien-aimé, en qui je trouve mon plaisir, ma joie. Donc le Père lui-même était présent. Le sang se rapproche à notre Seigneur Jésus, qui a donné sa vie, qui a saigné pour nous. Et bien sûr, l'esprit, c'est l'Esprit Saint. Nous avons une confession de foi. Et en dépit du fait que peut-être l'école de la confirmation est pour le moment suspendue, je demande aux parents de voir ensemble avec les enfants la confession de notre foi. Et pour ceux qui ont été confirmés depuis longtemps ou pas, vous pouvez utiliser ces moments pour rafraîchir les connaissances. Le premier article de foi parle de Dieu le Créateur. Nous croyons en lui, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Numéro 2, nous croyons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement en lui, mais le fait qu'il s'est incarné ici-bas. Qu'il a été crucifié, il est mort. Enseveli, il est ressuscité. C'est quoi qui peut aboutir? Et il est ascendu au ciel. Et en troisième article de foi, nous croyons dans le Saint-Esprit. Ces articles de foi sont importants lorsque, après, il s'agit de donner témoignage de notre foi. Alors vous, les néo-apostoliques, vous croyez quoi? Citez les articles ou parlez de ces articles, cela va dire de quoi nous parlons et de quoi nous croyons.
Et c'est une base solide. Et de ces versets provient toute notre doctrine de la Trinité. Et c'est pour cela aussi, en plus, il y a trois sacrements. Bien sûr, à nouveau, l'eau pour le baptême de l'eau. Le sang pour la Sainte-Seine. Et l'Esprit. Le Saint-Scellé. Et cela entre dans notre doctrine apostolique. Et nous avons une fondation sur là-dessus. Nous ne croyons pas en trois dieux. Un seul Dieu. Mais manifesté en trois personnes. Je sais que c'est parfois difficile à comprendre ou à expliquer. Mais nous pouvons voir quelques exemples. Je ne veux pas non plus réduire la divinité. Un exemple terrestre. Mais déjà ici-bas, nous avons un seul gouvernement. Et ce gouvernement est composé de différentes personnes. Nous avons une seule justice. Mais la justice ne se limite pas au ministre de la justice. Mais composé de plusieurs personnes. La santé n'est pas seulement le ministre de la santé, mais composé de plusieurs personnes qui permet qu'il y a la santé ici. Et notre Dieu se compose de trois personnes. Un seul Dieu. Comme une seule justice, ou un seul gouvernement, ou un seul... Une seule santé. Et c'est marqué, les trois sont un et sont d'accord. Au ciel comme ici-bas. Et ça, c'est assez intéressant, c'est beau à voir. Le Père parle au Fils. Comme dans le texte de Marc au début, comme on a dit, tu es mon fils. Un peu plus loin, en Matthieu 17. Sur le monde de transfiguration, il a dit aux autres, c'est mon fils. C'est en celui que je trouve mon plaisir. Donc le Père qui parle du Fils. Et puis après, le fils qui parle du père, qui avait comme tâche ne fait que faire la volonté de Dieu et transmettre la volonté de Dieu aux autres. Dimanche passé, notre apôtre patriarche a dit, c'est trois tâches de notre Seigneur Jésus. De donner, éclaircir la volonté du Père au peuple. De préparer l'épouse du Seigneur. De la rassembler. Et après tout cela, de donner son sacrifice. Afin que le salut soit possible. Donc il y a cet interchange entre le Père et le Fils. Mais le Fils aussi avec l'Esprit. Jésus a parlé de l'Esprit qui viendra. Cette promesse, il a dit, il faut que je m'en aille. Sinon, l'Esprit ne peut pas venir. Et en Jean 15 et Jean 16, il parlait de cet Esprit, de ce dont il va être capable. Et bien sûr, l'Esprit maintenant parle de Père et de Fils. Témoigne de la grandeur. Se manifeste au service divin. Parle de notre Seigneur Jésus-Christ. De sa vie, sa crucifixion. Nous démontre ce qui est pour l'avenir. Cet esprit est aussi créateur, comme Dieu, le créateur, le Père. Qu'est-ce que l'Esprit crée? La nouvelle créature en toi et en moi.
Donc c'est très beau comment cette interaction se fasse. Les trois sont d'accord au ciel, sont d'accord ici-bas. Et nous fêtons cela aujourd'hui. Et nous voulons renforcer cela aujourd'hui. Et notre foi en cela doit être de plus en plus fort. C'est pour cela que nous venons ici dans la maison de Dieu, pour avoir l'esprit qui renforce cette foi. Notre foi en Dieu le Père se renforce. Ça ne prend pas une intelligence, des grandes études, des connaissances humaines importantes. Non. Dans le cœur de l'enfant le plus petit ou celle qui est la plus vieille, la foi en Dieu le Père est là. Et cette foi en Dieu nous permet son amour qui est toujours là. C'est pour cela que Jean disait en 1 Jean, 3e chapitre, nous sommes heureux, quelle joie, nous sommes des enfants de Dieu. Voici avec combien d'amour Dieu nous a aimés. Et Esaïe l'a déjà dit en Esaïe 66. Un maman peut-elle oublier son enfant? Si cela est possible, avec notre Père Céleste, ce n'est pas possible. Foi en Dieu nous permet d'avoir une assurance de son amour. Même si nous ne comprenons pas tout, en ces moments ou en moments de crise et de peine et de souffrance, en moment de deuil où on se demande, mais est-ce que j'ai prié ce matin? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Et notre propre cœur peut nous condamner. Nous avons foi en ce Dieu qui nous aime avec un amour paternel et maternel. Nous croyons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette foi en Christ nous permet le salut. C'est marqué si vous ne croyez pas en Christ, désolé. On ne peut pas bénéficier de son pardon, son sacrifice et sa victoire sur la mort. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ a démontré tant d'amour qu'il a démontré pour nous. Oui, il s'est fait chair. Il a réellement vécu, il est réellement mort, il est réellement ressuscité. Cela nous donne l'assurance et le salut, c'est tout. Et nous avons foi en le Saint-Esprit. Et cette foi dans le Saint-Esprit nous permet de trancher. Parfois, nous ne sommes pas sûrs de quelle voie prendre. Ou nous voyons parfois avec nos yeux terrestres. L'Esprit Saint nous permet d'écouter la voix de Père. Même si nous sommes devant un diacre ou un apôtre de district qui a fait des erreurs, l'Esprit permet de comprendre et de voir ce qui est important. Si nous avons foi dans cet Esprit, nous prenons la nourriture comme vérité. Et cette vérité nous permet un développement. Ce n'est pas un développement spontané et puis quand il y a ceux qui disent que oh, Saint-Esprit rempli, tombe par terre. La vie, la croissance prend un peu de temps. C'est un développement.
Nous avons foi dans cet esprit. Et en dépit parfois que nous avons des régressions, ça ne marche pas tellement, nous avons foi que cela va nous conduire. À l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le centre de toutes choses. L'Esprit nous démontre et nous pousse toujours. Regarde le Seigneur. C'est ça le modèle. C'est là que nous voulons nous rassembler à lui. Donc, chers frères et sœurs, c'est toujours parfois compliqué. Mais parfois simple. Et l'esprit le rend simple. Les trois choses qui comptent. L'eau. Bien sûr, c'est ce qui représente à nouveau le baptême. Le sang. Makila. Avec le Saint-Seine. Yango na mo leimo santu. Et l'Esprit. Pe molimo. Le baptême de l'Esprit-Saint. Baptissimo ya molimo mo santu. Et cet Esprit qui est actif, il doit rester actif. Molimo mo santu oyo esengeli kotika na mosala kati na biso. Nous avons le don. Saint-Esprit. Et si nous croyons en cela, ces dons se développent petit à petit en nous et se manifesteront. Et même les autres vont s'en étonner. Regarde comment elle ou il est rempli de joie malgré les difficultés. Il a la patience, je devrais m'énerver depuis longtemps. Il a la paix dans le cœur, malgré que tout est en train de s'enflammer de gauche et à droite. Il a une maîtrise de soi. Il a la douceur. Il a la bonté. Les différents fruits de l'esprit se développent en toi et en moi. Nous savons que on ne va pas peut-être parvenir de notre propre possibilité. Nous nous efforçons tout simplement. Le Seigneur, par sa grâce, va combler ce qui manque en toi et en moi. C'est cela qui nous fait des héritiers et des co-héritiers avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'être ensemble avec notre apôtre Kabangu. Nous l'invitons ici pour servir pour quelques moments et la chorale peut chanter un cantique. Chers frères et sœurs et chers invités. Balingami, mi bali pe basi, pe ba payanabiso. Chers enfants de l'école du dimanche et vous les confirmant. Bana etelo ayenga pe bino balapindaye. Partout vous trouvez bien-aimés dans toutes les conditions possibles. Misikabiso bino bozali ko mona na tango balingami. Nous rendons encore une fois grâce à notre Père céleste
dans ce vent de Pentecôte qui continue à souffler. Voilà que l'Esprit, à travers notre rapport de district, vient de nous parler de sacrement que nous avons reçu dans notre Église. Le témoignage de l'eau. Le témoignage du sang. Et aussi le témoignage du feu ou du Saint-Esprit. À travers lesquels nous voyons Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais tous en train d'agir en toute harmonie. Et cela nous montre que notre Dieu est ordonné. Parce que ce que le Père a dit, c'est ce que le Fils aussi dit. Et l'Esprit témoigne cela. Mais il y a des choses que nous ne parvenons pas à comprendre maintenant. Les situations dans lesquelles nous nous trouvons, nous ne comprenons pas. Tant de prières que nous avons élevées envers notre Père Céleste. Pourquoi je suis malade? Pourquoi mes affaires ne tournent pas? Pourquoi j'ai perdu mon travail? Tout cela, bien aimé, même si nous ne comprenons pas. L'Esprit devra nous aider à mieux comprendre. Ce que nous demandons, c'est de faire confiance en notre Père Céleste. Si à travers le baptême d'eau, l'Éternel Dieu a pu témoigner de son Fils, et que son Fils a pu envoyer les apôtres, et qu'à travers l'apostolat, les ministres, par les ministres, nous avons été baptisés d'eau. Est-ce que notre Père Céleste peut aussi témoigner aujourd'hui que nous sommes ses enfants bien-aimés? Est-ce que le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés est actif en nous? Bien-aimés, nous devrions rester encadré par ce sacrement. Et mettre les enseignements reçus en action. Vous savez, dans ce monde, il y a le tribunal. Si le juge ne s'accorde pas avec l'accusé, s'il ne s'accorde pas aussi avec l'accusateur, ils vont faire intervenir les témoins. Mais les témoins viennent en deux sortes. Il y a les témoins qui enfoncent même le plaignant, qu'on appelle les témoins à charge. Il y a d'autres témoins qui s'opposent à cela et qui déculpabilisent l'accusé. Parfois le juge lui-même ne sait pas quoi faire. C'est par là qu'il dit, nous renvoyons l'affaire à la huitaine, à la quinzaine. Ça, c'est le monde bien-aimé. Mais vous voyez comment notre Dieu est organisé. De façon que dans l'harmonie, tout se passe bien. Il est vrai que le Seigneur revient bientôt. Mais le Saint-Esprit ne s'oppose pas à cela. Et le Père ne s'oppose pas à cela. Tata likolo Père otele melangote. Et à moi et toi de nous mettre en ordre. Ezali kosenga yo penga to miti na lima na tina na. De valoriser le saint baptême d'eau que nous avons reçu. Kopesa motuya na libati se santu ya mayo to zwaki. De valoriser aussi la sainte scène. Kopesa lisusu motuya na molei mo santu. Et le Saint-Esprit que nous avons reçu. Pe molimo mo santu to zwaki. Et bien nous conduire dans notre vie. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Amen. Mes bien-aimés en Christ, nous sommes renforcés par les paroles de l'apôtre. Nous sommes heureux ensemble de constater ce que l'Esprit nous révèle.
Ces miettes que nous avons reçues sont beaucoup plus que des petites miettes. Oui, si nous comparons la quantité de temps que représentent les moments que nous écoutons la parole de Dieu avec toute la semaine, c'est petit. Mais comme une petite semence, cela fait des grandes choses. L'apôtre Patriarche nous a dit, la mission de Seigneur Jésus, c'était de transmettre la volonté, d'enseigner la volonté de Dieu. De rassembler et de perfectionner l'épouse. Et de sacrifier sa vie. La mission de l'Esprit Saint que nous vivons actuellement, c'est de continuer à transmettre cet enseignement et la volonté de Père. De rassembler l'épouse et pour donner à eux le don de Saint-Esprit. Et de perfectionner à nouveau l'épouse. Cette nouvelle création qui agit en nous et qui font de nous l'image de Christ. Et c'est très beau dans sa perfection. Une autre miette que nous avons reçue, que nous ne pouvons pas jeter. L'apôtre Patriarche a dit, en ces moments, on parle ici bas, pendant le moment de crise et de l'épidémie, il est assez évident que l'action de un ou de l'autre individu peut mettre en cause toute une population. Et c'est de cette façon que le virus est transmis. Parfois même sans mauvaise volonté. Parfois on ne savait même pas qu'on était infecté et puis on transmet aux autres. D'où l'importance que tout un chacun fasse des efforts. Mais il a comparé ça au corps de Christ. Et aussi si un souffre, tout le monde souffre. Et si un n'est pas pardonné, tu ne peux pas pardonner un, tout le corps va souffrir. Et c'est pour cela que nous avons foi en notre Seigneur. Parfois, comme c'est écrit, nous ne savons même pas comment prier. Mais là, c'est marqué aussi en Romains que l'Esprit va dire à notre esprit comment s'exprimer. Et l'Esprit Saint est comme interprète auprès de notre Père Céleste. À nouveau, comme l'avocat de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux car sans ces avocats, on n'aurait pas la chance. Nous voulons simplement utiliser le moment de grâce qui nous est donné à pardonner. En dépit du fait que parfois c'est difficile, et nous demandons ensemble pardon, cher Père Céleste. Pour ici et là où j'ai fait défaut, j'ai pas fait ce que je voulais ou ce que tu voulais de moi, ou j'ai fait ce que tu ne voulais pas. Nous voulons que la volonté de Père règne dans notre cœur et que nous soyons guidés continuellement par l'Esprit. C'est à ces fins que nous voulons aussi préparer nos âmes pour le pardon de péché. Il est prévu un cantique de chorale pour aussi conduire nos âmes vers ce pardon.
d'être debout et ensemble nous voulons prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. Tobiangi bino banso botele maelongo tokosambela losambo yonkolo na biso Yesu ayekusaki biso. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix de ressuscité soit avec vous tous. Amen. Cher Père Céleste, pour cette proclamation de paix et de pardon, merci. Ça nous couvre comme une couverture de grâce. Nous fait tout chaud à l'intérieur de notre cœur et de notre âme. Et combien cet amour nous couvre en dépit de nos problèmes. C'est un grand pardon et tu ajoutes ta paix. Afin que les autres peuvent dire, ah, les accusateurs sont encore là. Par le sacrifice de ton fils, tous les accusateurs doivent fuir. Et cela nous emplit d'une reconnaissance profonde. Merci pour cet amour. Nous voulons ne plus pécher. Aide-nous en cela. Cher Père Céleste, que nous puissions utiliser l'esprit que tu nous as donné afin de pouvoir conduire en dehors de danger. Bénis ton peuple, tes serviteurs, tes servantes, des plus petits jusqu'au plus grand. Cher Père Céleste, tu vois à nouveau leurs soucis. Mais garde-nous en unité et sur cette voie. Bénis et aide ceux qui se donnent pour même notre corps terrestre pour la protection qu'ils nous donnent. Nous prions pour le pays ici et aussi son gouvernement. Nous ne voulons pas oublier les autorités. Conduis tout un chacun. Et en toute sagesse, les décisions puissent être prises. Ce qui est selon ta volonté. Sois avec nos jeunes. Ils restent tout près de toi. Nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons clôturer le service divin. Cher Père Céleste, à nouveau merci. Pour tous tes bienfaits, la parole, la grâce. Pour les miettes, cher Père Céleste, pour nous, ce ne sont pas des miettes, ce sont des grands repas. Nous voulons les digérer et que cela puisse produire la santé et la force. Bénis les offrandes de ton peuple, physiquement, nous sommes empêchés de donner nos offrandes de manière normale pour nous. Mais tu vois tous les sacrifices, tu vois toutes choses, cher Père. Et comment cette reconnaissance se manifeste à travers tes enfants et leurs activités. Que ta bénédiction reste là-dessus. À nouveau, console ceux qui pleurent.
Aide et guéris ceux qui sont malades. Et protège-nous tous dans le creux de ta main. Que nous puissions rester un. Et cher Père Céleste, que ton fils vient vite nous prendre. C'est ça le désir ardent qui règne en nous. Envoie-le vite. Nous te demandons cela au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bonzenga yankolo na biso Jésus-Christ. Bolingo ya Nzambe pe bokangami na molimo mo santu ezala na bino panso. Amen. Mes bien-aimés, merci beaucoup. Balingami matondo mingi. Nous ne savons pas quand on aurait l'occasion de venir dans la maison ensemble. Mais dans l'entretemps, nous continuons à respecter les consignes. Toujours de garder une certaine distance. De continuer à porter les masques. De se laver les mains. Le masque, parfois, c'est ennuyant. Et parfois, les gens disent, oh, on ne sait pas combien ça protège. Mais nous savons que ça se transmet beaucoup par les gens qui sont sans symptômes. Donc, parfois, ces masques protègent les autres de l'un ou l'autre qui est infecté sans le savoir. Nous l'intérêt à continuer à le porter. Nous prions pour vous, vous priez pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse tous. Chorale, s'il vous plaît. Gloire, 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 gloire en Dieu.
Amen.